Good morning, allez, Yiden, le sujet aujourd'hui, le Nishmat Murab, Ishmol, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Nahuda, Sarah Batrana, Rachel Shomo Ben Esther, Richard Batrim, Nechemia, ainsi que leur fouette avant Mori Ben Reout, Betor, Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishta Connect, 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Zachim, Perekul Gimel, Mishnah Daled. Echad Kodashim, Kesherin, Vechad Kodashim Sulin, Chayab Sulan Bakodesh, Vekriven Bachutz, Chayav, Amale Kazait Minaola, Omina Emorin, Bachutz, Chayav. הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים שהקריב מאחד מהם כזית בחוץ חייב רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולו וכולם שהקריבן בפנים ושייר בן כזית והקריבן בחוץ חייב וכולן שחסרו כל שן והקריבן בחוץ פטור. On continue avec le sujet du Ma'ale Bachutz. Ma'ale Bachutz, c'est celui qui va faire monter sur un autel à l'extérieur du Beth Amikdash, des korbanot, d'accord? Par exemple, une ola, il devait faire sa ola, supposons même qu'il a même égorgé dans la Hazara, ou peu importe, même s'il a égorgé dehors, selon Chachamim, on a déjà vu la Martoket. En tout cas, il y avait une ola, et donc il y avait des parts de ola, il a pris ses parts de ola, et il est parti les brûler dans un autel qu'il a construit dans sa cour. Un hôtel AU, oui bien sûr, un misber, dans un misber qu'il a construit chez lui, dans sa maison, pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc il transgresse l'interdit de Ma'alé, que la Torah l'a donné un Issour Karet. Le but de notre Mishnah maintenant va être de nous préciser deux choses. De quelle espèce de korbanot on va parler, premièrement, et deuxièmement, quelle quantité faudra-t-il faire brûler en dehors. C'est-à-dire, imaginez, on va se mettre en situation directement, il y avait une Ola dans le Beth Amikdash, et puis il a chipé un petit morceau de viande qui s'est dit je vais le faire brûler quand je serai dans ma cour, dans l'hôtel que j'ai construit chez moi, quand je serai en présence de toute ma famille, on va faire un petit corban familial. Et après un petit bout, est-ce qu'il sera passible ou non de karet, est-ce qu'il transgressera l'interdit de Ma'alé. D'accord, c'est le sujet général de notre Mishnah et on commence, ça va être séparé en trois parties. Première partie, Echad Kodashim Kshérin, Vechad Kodashim Psulin, qu'il s'agisse de Kodashim qui sont Kshérim, faits en bonne et due forme, ou encore Vechad Kodashim Psulin, qu'il s'agisse de Kodashim qui ont été invalidés, mais Shaya Psulan Bakodesh, qui ont été invalidés à cause d'un problème de ce qu'on a appelé le Psul Bakodesh, qu'on a vu fréquemment déjà dans cette Masechet Zvarim, à peut-être 4-5 reprises dans 5 sujets. Le principe de Psul Bakodesh, c'est que l'animal, en soi-même, il est bon. Parfait, il n'a aucun problème. À cause des halachot particulières des korbanot, le korban a été raté. D'accord? Deux cas de figure, par exemple. Un cas où ce n'est pas un Psul Bakodesh, c'est que, par exemple, on a gorgé un korban, mais qui était en fait un Baal Moum, qui était Taref, qui était... Alors dans ce cas-là, ça, c'est pas un Psul Bakodesh. D'accord? C'est pas un Psul Bakodesh. De ce fait, la Mishnah m'enseigne, j'ai même pas fini ma phrase, excusez-moi, je continue d'abord la phrase, la Mishnah va m'enseigner en me disant que Veikrivan Bachutz et qu'il les a égorgés dans dehors, Chayav, il sera Chayav. La Mishnah elle m'enseigne comme ça, elle me dit, tu sais, on va prendre trois cas de figure. Une Ola qu'on a fait parfaitement, une Ola qu'on s'est trompé et qu'on l'a égorgé, Chutz Lismano, Chutz Limkomo, qu'on l'a rendu invalidé, et une Ola qu'après l'avoir égorgé, on a réalisé en fait qu'il y avait un trou dans l'œsophage, de manière que c'est un animal taref. D'accord? On retient trois cas de Ola. Et on va faire de l'ordre entre les deux. La Torah elle m'a dit, tu sais, si tu vas prendre un korban et que tu vas le faire brûler sur l'autel en dehors du Beth Amikdash, tu seras passible d'un triouv karet. Alors, premièrement, on parle tout d'abord d'une Ola parfaitement cachère, qui a été réalisée comme il se doit. D'accord? On a égorgé la Ola, et puis finalement, on a pris un bout, un kazaït, on est parti le faire brûler en dehors. Et bien, entre ça, c'est l'interdit de Ma'alé. D'accord, Ma'alé Bachutz. Deuxièmement, à inclure aussi, la Mishnah m'enseigne même ce qui est pas soul, mais attention à cause d'un psoul bakodesh. Un korban qui a été invalidé, mais à cause des lois rigoureuses, strictes, des korbanot. C'est-à-dire, tu l'as égorgé, chutz lizmano, chutz limkomo. Il l'a rendu même pigoule. Mais en tout cas, le korban, il est intrinsèquement bon à être fait sur le misbéach. Et puis, tu as raté ton coup. Tu t'es trompé de Marchava, tu as fait une bêtise. Le korban, il était invalidé, mais il était invalidé Bakodesh.
ben même sur ce korban, si tu vas prendre un bout de viande, tu vas aller le brûler. Tu vas dire, ah, c'est dommage. Au lieu d'aller le brûler au Beth Hadeshen, c'est dommage. Mais on va faire un petit hôtel à la maison, on va faire un korban à la maison, on va le faire brûler à la maison. Et bien s'il le fait, il transgressera l'interdit de Ma'al et Bachus. À la différence de la Ola, qu'une fois qu'il l'a égorgé, il a commencé là-bas à la disséquer, à retirer, et puis il a réalisé que l'animal, il était taref. Dans ce cas-là, c'est un psoul qui n'était pas un psoul bakodesh, c'est un psoul intrinsèque qui n'est pas apte à être un korban. Dans ce cas-là, s'il a pris sa viande, il est parti la brûler en dehors du Beth Amikdash, il ne transgressera plus l'interdit de Ma'alé Bachus. Tout ça, c'est déduit du pasouk qui me dit, on n'a qu'à ouvrir le pasouk très rapidement, le pasouk qui me dit, on est dans Vaikra, Yudzaïn, pasouk, Chet Tet, Va'alem Tomar, tu diras au Bnei Israël, Ishish mi Bet Israël Minager, Echerigo Betoucham, Asher Ya'alé Ola Ozavar, que toute personne du peuple d'Israël qui fera monter une Ola ou un Zevar, de là on inclut même tous les korbanot, comme ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, et vel petacho el moed lo yevienu, mais qu'il ne l'a pas porté au el moed dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, la sot oto l'Hachem, pour le faire en l'honneur d'Hachem. Dans ce cas-là, donc, il a, au lieu de faire brûler son korban au misbeach d'Hachem, il est parti le faire dans sa cour. Dans ce cas-là, venichat aishaou me'amav, cette personne sera retranchée de son peuple. D'accord ? On déduit là du pasouk qui me dit la sot oto l'Hachem, pour le faire pour Hachem. De là, je déduis que l'on est passible de cet interdit de Ma'alé Bachus uniquement lorsque c'est un korban qui était apte à monter pour Hachem. Et toi, t'as raté le coup, t'es parti le faire en dehors du misbéach. À exclure le korban qui était intrinsèquement inapte à monter, c'est-à-dire c'est un korban pasoul, parce qu'il avait, il était taref, parce qu'il a été fait, il était taref, balmoum, rovea, nirba, toutes sortes de korbanotes qui sont intrinsèquement absolument pas les korbanotes. Ok. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, ça va aller un peu plus vite. Amale kazait mina ola ou mina emurin bachutz chayav. À partir de quelle quantité on est passible de cet interdit? À partir de quand on transgresse cet interdit? Alors la Mishnah m'enseigne, ben écoute, même si tu as toute une ola, c'est pas la peine de prendre toute la ola et d'aller la brûler en dehors du Beth Amikdash, même si tu as pris même un petit kazait de viande. Tu es parti le faire en dehors du Beth Amikdash, tu seras chayav. D'accord? Qu'il s'agisse donc de la Ola, kazaït, un morceau de viande de Ola ou un morceau de émourine de Ola. Des émourines qui sont les graisses de la Ola, ouais, où tu as fait même un kazaït composé de deux sortes, chayav, isra chayav. Ok ? Troisième partie de la Mishnah, je vous la présente très rapidement sur l'ordre qu'il va y avoir. La Mishnah, elle va me donner plein d'exemples avec une marloquette. Et puis après, elle va continuer en me disant sur ce point-là, il n'y a pas de marloquette, sur ce point-là, il n'y a pas de marloquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout traduire, parce qu'en fait, c'est, didactiquement, ça aurait été plus pratique de commencer par la suite, la fin de la Mishnah, et seulement après revenir sur ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout traduire, et puis après on va expliquer à l'oral, Bezrat Hashem. À Kometz, le Kometz qui est la pincée de la Mincha. Lorsqu'on fait une Mincha, on avait déjà appris, le Kohen, Masechet Menachot, le Kohen, il va prendre une pincée, il va prélever une pincée, un échantillon, et qui va jeter sur le Misbéach, c'est ce qu'on appelle le Kometz. Et le reste de la mitra, en général, il est consommé par les Kohanim. Donc, s'il a pris le Kometz, ou encore la Levona, c'est une encens que l'on apportait avec le Lechem Apanim, le Shabbat, il y avait les 12 pains, et il y avait là-bas la Levona, dans n'importe quelle mitra aussi, il fallait prendre aussi cette Levona, on la faisait brûler sur le Misbéach, c'était une encens sur le Misbéach Hachitzon, d'accord ? À la différence de Vehaktoret. L'Aktoret, c'est l'encens qu'on fait, on faisait sur le Misbéach Hazav, dans le Echal, la fameuse encens, les 11 simanim de l'Aktoret, qu'on lit tous les jours quand on fait dans Shachrit et Mincha, on lit l'Aktoret là-bas, c'est les encens. Et encore, Minchat Kohanim, une Mincha intégrale même, qui a été faite, qui est au Kohanim, et je continue tout de suite, encore deux, et après, et on explique l'histoire, au Minchat Kohen Mashiach, ou encore, qu'il s'agisse encore d'une Mincha du Kohen Mashiach. Le Kohen Gadol, il devait apporter tous les jours une mincha, d'accord ? Chavite, à Chavitin ça s'appelait. Ceux qui lisent le matin dans un baillé, le mincha de Chavitin, la Chavitin, Kodmin et Tamin, Shalben, Arbaim, je ne sais pas comment c'est dit, bref. Là-bas on parle des Chavitin, ça on ne parle pas des omelettes bien sûr, c'est pas une Chavita, mais on parle des Chavitin, c'est le Korban qui s'appelait mincha de Chavitin, la mincha que le Kohen Gadol devait faire tous les jours. Et ensuite, aussi au Minchat Nechassim, ou qu'il s'agit encore du Mincha des Nesachim.
qui dit Minchasim Nesachim. Minchat Nesachim. C'est-à-dire, je m'explique, sur le dernier d'abord, après on explique les trois en même temps. Minchat Nesachim, c'est lorsque l'on fait, on a lu dans le parashat Pinchas d'ailleurs, lorsqu'on doit faire un korban, alors en plus du korban, tu dois apporter une mincha, et tu dois apporter aussi du vin. Ok ? La minchat Nesachim, c'est la mincha que tu dois apporter lorsque tu fais un korban. Quelle est la singularité de ces trois menachot, celle du Kohen, lorsqu'il va entrer en fonction, ou même lorsqu'il y a n'importe quel jour qu'il va apporter une mincha, ou la mincha du Kohen Gadol, ou encore la mincha de Nesachim, ce sont des menachot qui sont intégralement brûlés sur le misbéach. Il y a deux types de menachot, en fait. Il y a une mincha qu'un Israël va apporter, alors, de manière générale, il va falloir que le Kohen va prendre un petit prélèvement, une petite pincée, il va la jeter sur le misbéach, lors de la mincha, elle va être consommée par les Kohanim, et il y a toutes ces trois menachot-là, ces oblations de blé, de farine, alors, pour ces trois menachot-là, elles sont intégralement brûlées sur le misbéach. D'accord ? La Mishnah, donc, elle m'a cité toute une liste de choses, de produits que l'on apportait au misbéach, qu'on faisait brûler sur le misbéach, qu'il s'agisse du comets, de la levona, ou de la torette qu'on faisait dans le misbéach apnimi, ou des trois menachot, qu'on a évoqués maintenant, qui sont intégralement consommés. Dans tous ces cas-là, chez Ikriv, mais Chad men kazaït bachoutz, Chayav, à partir du moment où il va même ne pas les brûler intégralement, mais même prendre un kazaït d'elle pour aller les brûler à l'extérieur du Betamikdash, alors il sera Chayav, il sera passible du karet, parce qu'elle était ma'alé bachoutz. D'accord ? On avance dans la Mishnah, après on va faire de l'ordre. Vous allez me dire que quelle est la différence avec ce qu'il y avait avant ? On avait déjà vu que le kazaït de la Ola. Maintenant, bon, t'as détaillé encore sur d'autres choses. Ok. Rabbi Elazar Poter, Hachiakri Vetkolo. Rabbi Elazar, il va me dire non, il faut nécessairement les consumer intégralement à l'extérieur du Beth Amikdash pour être passible. Sinon, tu n'es pas passible. On ne sait pas exactement pourquoi ils discutent pour le moment. Et en fait, il faut continuer la Mishnah. Et là, on va voir les éléments super importants. Vekulam, Sheikri Van Bifnim, Veshir Ben Kazaït, Vekri Van Bachutz, Chayav. Pour tous les cas, les 6 cas que l'on a évoqués, d'après tous les avis, s'il a commencé à les brûler à l'intérieur du misbéach et qu'il restait juste un petit kazaït et que le dernier kazaït il a pris, il est parti le brûler dehors, d'après tous les avis, chayav, il sera chayav dans ce cas-là, même si ce n'était qu'un kazaït. Et à l'autre extrémité, vekulan shechasru kol she'en veikrivan bachutz, patour. Pour tous ces cas-là aussi, où il avait prélevé le kazaït, un kazaït, deux de ces 6 cas-là qui ont été évoqués, mais que de ce qu'il restait, ça a été perdu partiellement. Il y a une perte qui s'est perdue, qui a été brûlée, qui est tombée. Shalach le'ibud, comme il dit le Vartenora, ça s'est perdu, ça a été... D'accord ? Dans ce cas-là, d'après tous les avis, il sera plus rayable sur le kazaït. Et là, on explique un petit peu de quoi on parle. On va faire un petit peu d'ordre dans la Mishnah. C'est pas compliqué, il faut juste expliquer comme ça. Regardez. Le principe d'abord de Mahalé, c'est toutes les choses qui montent sur le misbéach à l'intérieur, tu les fais à l'extérieur, tu es rayable. D'accord ? On avait appris, dans le début de la première partie de la Mishnah, on parlait d'une Ola. Donc la Ola, on l'a égorgée, on a aspergé le sang, on a, et puis après, au lieu de monter toutes les graisses, on a pris un casier des graisses, on est parti le brûler dehors. Sur ça, il n'y a pas de discussion. D'après tous les avis, lorsqu'on se retrouve dehors et qu'on fait brûler, on est passible d'un karet, à partir du moment où il y avait un kazaït. Pour le moment, c'est clair. Le problème commence maintenant avec des korbanotes qui ne sont korbanotes valides que lorsqu'on doit faire le matir. Vous vous rappelez l'histoire à Tchikrav, à matir, qui est mitzvato, qu'on apprenait lorsqu'on parlait du pigoul dans les prakim précédents. Ouais, plus vers le début de la Maseret. Il y a des korbanot où ils ne vont devenir valides que lorsqu'on va prendre une partie d'eux et un échantillon d'eux que l'on va brûler sur le misbéach. Là, il y a un statut particulier. Sur cet échantillon que l'on doit brûler, qui doit arriver sur le misbéach, là, il y a des halachot très particulières. Parce qu'il y a quelque chose d'original, en fait, qui se passe. C'est que si on... Tant que l'on n'a pas brûlé sur le misbéach, c'est pas encore un korban valide. On en reparlera encore même dans la prochaine Mishnah, il y aura un petit détail sur ça. De ce fait, la Mishnah, elle me dit, écoute, ces matirim là, on peut transgresser l'interdit de Mahalé Bachoutz, mais à condition que tu le prennes, d'abord, Rabbi Elazar va me dire, tu le prends intégralement, tu vas le brûler en dehors du misbéach, à l'extérieur du Beit HaMikdash. Alors là, tout le matir, tu l'as mis dehors, T'as invalidé le korban en le faisant à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais il y a une halakha très particulière, c'est ce que la dernière partie de la Mishnah qu'elle nous rapporte, en me disant que lorsque tu dois prendre le matir
Le matir, c'est l'échantillon qui va te permettre le korban. L'huile a une certaine quantité selon le cas. Qu'il s'agisse de komets, levona, minchat kohanim, il y a une certaine quantité. Cette quantité-là est quelque chose de très particulier. Si elle va être manquante, cette particulière, cet échantillon, si elle va être manquante, eh ben, l'autre partie, le korban ne pourra plus être valide. Je prends un exemple. On va prendre la mincha, on devait prendre un komets. Lorsque je veux faire une mincha, un kohen il va faire une mincha, pour un Israël, normal, il doit prendre un échantillon avec ses trois doigts, et ça fait une certaine quantité de 1 kazaït et demi. D'accord ? Eh bien, si toutefois, il va y avoir, maintenant, de ce petit échantillon, il va devoir partir le jeter dans le feu du Misbéach. S'il va prendre une petite partie, mais il va perdre une toute petite partie de ce komets, le komets ne va plus pouvoir permettre la mincha. Il faut que l'échantillon il soit intégralement qui monte sur le Misbéach. Pour le moment, ça va. Maintenant, la Mishnah vient et m'enseigne. Ben écoute, Rabbi Elazar, lui, c'est le plus facile à expliquer. Il va te dire, ben, il faut que tout l'échantillon, il soit, si tu veux faire brûler l'échantillon à l'extérieur du Beth Amikdash, il faut que tout l'échantillon, intégralement, tu le brûles à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais en réalité, même d'après Rabbi Elazar, c'est pas nécessaire de faire tout l'échantillon. Si toutefois, tu as commencé à faire une partie de l'échantillon à l'intérieur du Misbéach, et qu'il reste le dernier Zaït, on n'est pas obligé de faire tout l'échantillon d'un coup. Même si on le fait en petit, en paracoup, moitié-moitié, c'est encore bon tant qu'on n'a rien perdu. Donc tu as commencé à faire une partie de l'échantillon dans le Misbéach du Beth Amikdash. Et tu t'es laissé un kazaït, d'après tous les avis, tu seras chayav aussi sur ce kazaït. Parce que l'essentiel, il est qu'il n'y ait rien de perdu. Pour le moment, c'est ça va. La petite finesse maintenant, elle va commencer là, en me disant que si toutefois t'as un échantillon qui fait l'équivalent de 2 zaït. Et tu vas prendre un zaït des deux, tandis que l'autre, tu le laisses pour le moment dans le Beth Amikdash. Tu vas le faire brûler sur le Misbéach. Et t'as pris un zaït de ça, t'es parti le brûler. C'est sur ça qu'il y a la discussion entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim vont me dire, mais écoute, pour le moment, ta mincha, ou ton korban, ta mincha, ton komets, les vona et tout ça, ils sont aptes à être faits parfaitement, à être kshérim. T'as pris un kazaït de lui, tu l'as fait dehors, tu seras chayav karet. Rabbi Elazar, lui, vient, il me dit, mais non, pas du tout. Regarde, il reste un échantillon pour le moment, il reste encore une partie d'échantillon à l'intérieur. Cet échantillon-là, pour le moment, il n'est pas encore apte, il va pas encore permettre la mincha, parce qu'il doit être entièrement offert sur le Misbéach. Or, t'as pris une partie dehors, t'as raté complètement, t'as bloqué le korban, t'as fait une partie à l'extérieur, et pour le moment, cet échantillon que tu as fait à l'extérieur, il n'était pas intégral. Donc, tu n'as pas fait. Donc, cet échantillon-là que tu as brûlé à l'extérieur, il n'est pas encore apte à... Il aurait dû être pour Hachem et tu l'as fait dehors. Parce que si tu avais fait que ça pour Hachem, ça n'aurait pas suffi. Donc, ton korban, il est pour le moment invalidé. En fait, le principe, il est comme ça. Même si tu le faisais à l'intérieur du Beth Amikdash, tu avais fait que ça, ça n'aurait pas encore été un bon korban. De ce fait, lorsque tu le fais à l'extérieur, eh ben, tu n'as pas transgressé l'interdit. Parce que, comme on avait ouvert dans le passage là-bas qu'on avait vu, c'est ce que tu devais faire à Hachem, tu l'as fait à l'extérieur, c'est pas bon. Or, là, si tu l'avais fait à Hachem, ça aurait pas suffi. De ce fait, si tu le fais à l'extérieur, c'est toujours pas bon. Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar. Rami vont nous dire, non, mais écoute, si tu l'avais fait sur le Misbéach, c'était pas forcément raté, t'étais peut-être en bonne voie. Si tu avais continué, tu aurais continué et tu aurais tout fait finalement, tu aurais accompli ta mitzvah si tu avais été à l'intérieur. Donc de ce fait, si tu as pris un kazaï de cet échantillon et tu l'as fait à l'extérieur, tu serais quand même passible de korban. C'est clair ? Je récapitule très rapidement maintenant. Pour la hola, une fois que la hola, elle a été, on a aspergé le sang comme il se doit, tu vas prendre un kazaï de la viande, tu vas le faire à l'extérieur, tu seras chayav. Spécialement maintenant, pour ce qu'on appelle les matirim, les choses qui vont faire que tu dois faire monter sur le Misbéach pour pouvoir rendre le korban, la mincha, valide. Alors, tout d'abord, bien sûr, si tu prends tout ce matir, tu le fais à l'extérieur, tu seras chayav. Même mieux que ça. Tu vas faire la quasi-totalité à l'intérieur, mais tu te laisses un petit kazaït, le petit kazaït décisif du reste du matir. Tu vas le faire à l'extérieur du Beth Amikdash. Aussi, tu seras chayav, même d'après Rabbi Elazar. En plus de ça maintenant, si tu devais prendre, tu as pris un kazaït, mais parmi ce qui te restait du matir, ça s'est perdu partiellement. D'après tous les avis, tu ne seras pas tour si tu as fait ce matir à l'extérieur du Beth Amikdash. Parce que de toute façon, ta mincha n'était plus apte à monter pour Hachem, étant donné qu'elle était perdue, volatilisée partiellement. Il y a maintenant une discussion lorsque, dans tout le matir, lorsqu'il est présent devant toi, qu'en théorie tu dois le prendre et le monter sur le Misbéach.
Et de là, tu as pris un premier zaït de ça, et tu es parti le faire à l'extérieur du Beth Amikdash, que Rabbi Elazar va te dire, bah, écoute, si tu l'avais fait monter ce petit zaït à l'intérieur du Beth Amikdash, ton korban, il n'aurait pas encore été validé. De ce fait, tu l'as fait à l'extérieur, tu seras passible. Tu ne seras pas Chayav Karet. Et Chachamim vont nous dire, tu seras quand même Chayav Karet, parce que si tu l'avais fait monter sur le Mizbeach, tu aurais ainsi débuté la krava du korban. Ça aurait été quand même un acte valide, même s'il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore invalidé. De ce fait, tu le fais à l'extérieur, tu seras aussi Chayav. J'espère que ça a été clair, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne fin de la Slacha Kol Tov.